trois femmes. Trois femmes de caractère qui nous invitent dans leur univers au travers de cette exposition. Alors, venez découvrir leur variation. C'est le prolongement d'une aventure de trois femmes qu'ils ont déjà exposé ensemble pendant les ateliers d'artistes organisés par la ville de Reims. Aujourd'hui avec de nouveaux matériaux, l'idée ici était d'occuper un espace et le centre de l'exposition, c'est ce qui m'auréole là, ces petits cartons qui répondent au sol, qui répondent au plafond et qui ouvrent sur les autres artistes et leurs œuvres. Je ne suis inspirée par rien que par la couleur. Et avec la musique m'inspire. Et ça dépend, si je suis très gaie, ça va être coloré. Si c'est un peu plus sombre, je suis un peu plus triste, ça va être un peu plus sombre. Les tableaux reflètent un peu mon humeur. Je veux des nuances dans tes couleurs, je veux de l'éclat dans tes malheurs, des géométries variables, des variables dans ta géométrie. Ce qui est important pour moi, c'est que le spectateur pose des questions. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi cette couleur? Pourquoi elle a suspendu? Et ensuite, trouver des réponses. Voilà. Et quel c'est le spectateur qui se trouve, par exemple, dans cet espace, entouré par les couleurs, par les formes. Alors le message, c'est être dans l'art et porter aussi un regard créatif. Voilà. Trois artistes qui s'exposent, se mettent à nu. C'est plutôt l'idée de faire connaître un travail, le travail de chacune, et en même temps l'émergence d'un collectif dans la ville. Ça veut dire quelque part des échanges entre les artistes pour produire quelque chose. Et là, il s'agissait de bien occuper un espace. Au niveau des tableaux, donc je fais pas mal de street photographie, des nocturnes, essentiellement de l'urbain, de la ville de Reims, et un tableau qui représente Paris, qui a été pris à l'île Saint-Louis à Paris. L'amour, la tendre confidence, et pourtant le même amour, dévasté à l'absence.